Salut les jeunes, bienvenue dans mon atelier et non pas dans mon Challenger V210 aujourd'hui, puisque je vais te proposer une petite vidéo explicative, si j'ose dire, de ce que je prévois de faire pour dominer ce problème-là. On a une grande table, très grande table, j'oserais presque dire trop grande par rapport à l'utilisation que nous pouvons en avoir puisque nous ne sommes que deux. Il s'agit encore une fois d'un problème de riche, hein, comme tu peux le constater. C'est simplement que cette table qui vient donc de notre fourgon aménagé est super lourde. Quand on veut la déplacer, même ne serait-ce que la faire coulisser le long du rail qui est prévu à cet effet dans le camping-car, eh bien c'est très compliqué parce que d'abord ça ne glisse pas bien du tout, mais je pense que c'est justement lié au poids de la table. Et puis, quand on veut carrément l'enlever, parce qu'on peut aussi l'enlever pour la placer à l'extérieur du véhicule, c'est très compliqué, c'est très lourd et on risque d'abîmer le mobilier à l'intérieur du wagon. Bref, c'est pas pratique du tout. Alors, ce que je prévois de faire, c'est de récupérer le pied d'origine de la table, le rail coulissant qui est vissé dessus, afin donc de pouvoir installer un plateau plus petit, beaucoup moins épais, certes beaucoup moins solide également, mais qui correspondra davantage à nos besoins et qui sera beaucoup plus facile à manipuler au Alors quotidien. d'abord, est-ce que tout ça se démonte? A priori, oui. Il y a deux petites vis aux deux extrémités. Et alors pour ce qui concerne le rail, il y a une petite vis ici, à l'extrémité du rail, une au milieu et une autre à l'autre extrémité avec la griffe là qui a été vissée dessus. C'est un peu étrange comme idée, mais bon. Voilà, donc je vais essayer De récupérer ces trucs-là, de trouver un plateau qui me convient au niveau taille, et puis de faire la manip, on va voir si ça fonctionne ou pas. alors bien sûr, l'idée n'est pas de détruire la table d'origine, parce qu'il faudra quand même qu'on la remette le jour où on vendra le véhicule. L'idée que j'ai, c'est de fabriquer une table qui nous corresponde, qui soit beaucoup plus facile à manipuler, et puis de pouvoir réinstaller les éléments constitutifs de la table d'origine du véhicule lorsqu'on le revendra pour qu'il soit exactement dans l'état où nous l'avons trouvé lorsque nous l'avons nous-mêmes alors, acheté. de quoi allons-nous avoir besoin pour faire ce travail? Un tournevis, ce genre-là est pas mal parce qu'il y a une poignée au bout qui permet de tourner comme ça et de débloquer les vis qui peuvent être serrées un peu fort. Et puis un petit embout de ce style-là pour aller chercher les petites vis qui se trouvent ici. Alors il y en a 4, 1, 2, 3 et 4. Alors au départ, je pensais qu'il fallait aussi dévisser les vis qui se trouvent là-dedans, mais en fait, il suffit juste de dévisser les 4 trucs là pour pouvoir enlever le pied. Alors, Alors par contre, il est clair que si on n'enlève que les 4 vis, donc simplement le pied de la table, on ne pourra plus faire ça. C'est-à-dire tourner la petite table pivotante qui est en dessous, parce que du coup, il n'y en aura plus, il n'y aura plus qu'un seul plateau. Mais on n'a pas vraiment besoin de ça, puisqu'en fait, on ne l'utilise quasiment jamais, cette petite table. Il y aurait que si on était nombreux dans le wagon, mais c'est quand même relativement rare. Alors là-dessus, évidemment, c'est chacun qui voit midi à sa fenêtre, comme dirait l'autre. Et c'est à toi de savoir si tu as vraiment besoin de la petite table qu'il y a en dessous pour la continuer à la faire pivoter. Bon, pour ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, on va se limiter à un plateau, ça sera largement suffisant. Donc c'est parti. C'est pas serré très fort en plus. Je peux même l'avoir à la main. Tu vois, l'intérêt de ce genre de tournevis, c'est que ça permet de faire un peu de force
quand les vis sont un peu chouquées. Bon là, j'avoue que suivant les vis, suivant l'heure de la journée, sûrement par rapport au mec qui a fait ça chez Challenger, il devait pas avoir la même force parce que les quatre vis sont pas du tout serrées à l'équivalent. Bon alors maintenant, est-ce que les quatre petites vis que j'ai enlevées là suffisent à libérer le pied de la table? Eh bien, on dirait que oui. Donc, c'est vraiment pas difficile à faire. C'est quelques secondes de travail et encore, je sais même pas. Et puis, donc, le mécanisme de base et la table en elle-même sans pied est tout à fait indemne, ce qui fait que on pourra remonter le pied dessus sans plus de difficulté lorsque on devra le faire. Pour dominer le problème qui concerne éventuellement la perte des vis en question, bah là c'est pas compliqué, je les revisse directement sur la platine là, ce qui fait qu'elles vont rester sur la table, comme ça j'aurai même pas besoin de me demander où elles sont, où je les ai mises, où je les ai rangées et où je ne les retrouve pas. Alors si jamais tu veux récupérer la platine qui permet de faire pivoter la petite table qui est en dessous de la grande pour te fabriquer un truc un peu dans le même genre mais en moins lourd, c'est tout à fait possible, je te montre. Tu as quatre vis comme ça. Quand on fait pivoter le plateau, on a accès à deux autres vis qui sont sur les côtés comme ça. Et le gros boulon du milieu, si tu enlèves les quatre vis là et le boulon du milieu, tu récupères la platine complète, ce qui permet du coup de la refixer sur un autre morceau de bois et puis de te confectionner exactement le même genre de table en plus léger. Alors maintenant, on va essayer de dévisser le rail qui permet de glisser la table sur le support qui est à l'intérieur du camping-car. Pour faire ça, donc, c'est exactement ou presque le même sport. Donc là, comme ils ont eu l'intelligence de mettre la graffe sur la vis qui permet d'enlever le rail, ben, on est obligé d'enlever la graffe et puis je la remettrai après. Alors là, comme tu peux le voir, ce sont des vis auto-perçantes à métal. Donc c'est des trucs qu'on trouve assez facilement dans le commerce, ce qui fait que même si tu en perds une, ça ne sera pas la fin du monde. Maintenant, je vais aller dévisser les trois vis qui maintiennent le rail sur la table à proprement parler. Alors là, pour le coup, j'utilise pas le même type de tournevis parce que ben, le trou n'est pas facile d'accès, étant donné qu'il y a la graffe qui n'est pas très loin non plus. Mais là, on peut quand même y arriver comme ça, et de toute façon, encore une fois, c'est vraiment pas serré très fort, donc c'est très facile à enlever. Alors l'idéal dans ces coups de temps là, c'est d'avoir un tournevis aimanté, parce que ça permet de récupérer les vis. J'ai récupéré les trois vis, là ce sont de simples vis à bois tout à fait classiques, donc encore une fois, c'est très facile à retrouver, ou même en mettre d'autres, à condition que ça traverse pas l'épaisseur de la table. Bien sûr, faire attention quand même. Et puis au passage, je te montre la fabrication Challenger, qui est quand même un peu à l'arrache. Puisque, comme je te disais tout de suite, la belle agrafe qui est ici était mise directement sur le trou ici, ce qui fait qu'on ne pouvait pas enlever la vis. Et donc c'est fait avec des vis auto-foreuses pour métal. Et là, ça a été mis carrément n'importe où sur la barre. Ils auraient pu le mettre un peu plus loin par là. Celle-là est mise totalement aléatoirement aussi. Ça, c'est doit être en fonction du temps qu'il fait ou de l'heure qu'il est, je sais pas. Comme on en a souvent parlé et comme je l'ai souvent dit, tout ce qui est camping-car, même de marque ultra connue, ça reste quand même archi-artisanal. Et je suis sûr que si on va voir dans le même modèle exactement que le nôtre, on trouve des branchements électriques qui sont pas faits au même endroit, on trouve des vissages qui sont pas faits au même endroit, qui sont pas serrés de la même façon, des cotes qui sont plus ou moins aléatoires, comme c'est le cas là sur la petite barre que je viens de te montrer. Alors c'est un détail, mais en même temps ça en dit assez long sur l'ensemble de l'œuvre. Donc enfin, une fois qu'on a dévissé tous ces trucs là, donc on récupère la barre qui permet de fixer la table sur la glissière qui est dans le camping-car. Si je résume un peu les affaires, une fois que j'ai démonté ces deux trucs-là de la table d'origine, j'ai exactement ce qu'il me faut pour faire ma propre table. Je vais donc aller me chercher un morceau de bois qui me va bien en termes de taille
et en termes d'épaisseur pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Bon, ben voilà, je crois que j'ai trouvé. Bon, c'est pas mal comme petit plateau, c'est beaucoup plus petit. Bon, c'est pas beaucoup moins épais, mais ça va quand même être beaucoup moins lourd. Bon, tu n'auras pas manqué de remarquer que, comme d'habitude, j'ai toujours des bonnes blagues très drôles. Bon, si je mets mon côté grand comique à part, j'ai quand même trouvé ça qui est largement plus efficient et pratiquement de la même couleur que l'intérieur de mon fourgon. Alors, il s'agit d'une belle planche de récupération directement issue d'un ancien meuble IKEA que j'ai démonté. Ceux qui me connaissent bien savent que je ne perds jamais rien, je récupère tout, ça me vient de mes grands-parents, je pense, et de mon père aussi. Quand on me dit "Mais ça, qu'est-ce que tu as à foutre de ça?" Eh ben, un jour ou l'autre, ça finit toujours par servir, la preuve. Ça, c'est le plateau d'origine. On est donc passé au plus long de 92 cm sur 48,5 de large à 55,5 de long sur 40 de large. Alors si maintenant je prends l'épaisseur, alors en plus là il y a deux plateaux l'un sur l'autre, 6,5 cm, et là on est à 1,5 cm. Ensuite, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, je pèse non pas mes mots, mais donc ça, c'est la table d'origine. Alors c'est juste le plateau, hein, bien sûr, qui pèse 8,2 kg. Et que je compare avec la petite planche que j'ai récupérée, on est à 2,6 kg. Ce qui est quand même sensiblement différent. Et du coup, ça va nous faire des vacances, c'est le cas de le dire, quand on va devoir bouger la table en question. Voilà, j'ai mis les deux l'une sur l'autre. Ça donne une bonne idée. Au niveau du choix de la petite planche que j'ai là, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mon bordel, on va dire, dans tout le stock de planches que j'ai récupéré de droite et de gauche. Mais si tu veux exactement la même, ou un peu plus petit, ou un peu plus grand, ça c'est vraiment chacun son truc. Évidemment, tu vas trouver ce genre de revêtement et ce type de planche chez Castorama, chez Leroy Merlin, etc., etc. Et pour un prix défiant toute concurrence. Enfin, si j'arrive à faire ce que je veux avec les éléments que j'ai récupérés de la table d'origine et ma petite planche là, du coup, je n'ai pas acheté d'autres éléments. J'aurais pu acheter un pied de table et puis un rail particulier qui en plus aurait eu toutes les chances de ne pas correspondre à celui qu'il y a dans le wagon. Un pied de table camping-car comme ça, je ne sais pas trop combien ça coûte, mais ça doit bien coûter au moins 50 balles, sinon c'est pas marrant. Et du coup, ben là, ça ne me coûte rien. Uniquement le temps que j'ai à y passer, et donc tout va bien. Quand même assez cool, c'est que dans tout ça, même au niveau du pourtour de la planche, je n'ai pas grand-chose à faire puisque c'est déjà tout revêtu. Maintenant, on va installer le pied sur la table. Alors, pour ceci, il faut bien faire attention à deux choses. Évidemment, que le pied soit centré au milieu de la table, donc il faut quand même prendre quelques mesures. Et puis, il faut aussi anticiper une petite chose, c'est que vu que la table d'origine est beaucoup plus épaisse que celle-là, si je mets le pied directement sur la petite planche comme ça, sans autre forme de procès, je vais avoir une table qui va être comme ça, puisque tout est calculé dans le fourgon pour que ça soit quand même droit. Donc il va falloir que je mette une cale entre l'embase du pied que je vais fixer sur la table et la table elle-même pour récupérer la hauteur que j'ai sur l'autre table qui est beaucoup plus épaisse. Alors, je viens de réaliser d'ailleurs que je ne suis pas sûr que ce soit très clair exactement ce que je vous ai raconté. Bon, on va rester là-dessus. Comme je sais que vous êtes des gens intelligents, vous allez tout comprendre même si c'est pas clair. Alors, question mesure. On a donc dit que l'épaisseur de la grosse table d'origine était de 6,5 cm, plus 1 cm qu'il faut rajouter parce qu'il y a l'embase en métal en dessous, ce qui nous fait donc 6,5 plus 1. Six et demi plus un.
7,5. Ça fait beaucoup, ça, non? Bon, enfin, donc, voilà le problème, hein, quand on n'est pas allé à l'école, et même quand on y allait, d'ailleurs, quelquefois, ça ne change pas grand-chose. Donc, trêve de bonne plaisanterie. On a dit 7,5 pour la grosse table, 1,5 cm pour la petite. Ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute une cale de... normalement 6 cm, sans raconter de conneries cette fois, enfin je pense, pour récupérer une table qui soit strictement à l'horizontale. Donc on va essayer ça tout de suite. Alors en fait, si je ne me trompe pas, il y a deux solutions pour rattraper l'horizontalité de la table à l'intérieur du fourgon, compte tenu du fait que la table d'origine est beaucoup plus épaisse que celle que je suis en train de faire là, et que le rail qui est dans le fourgon, lui, est installé en fonction de l'épaisseur et de la hauteur de la table d'origine. Donc il y a soit mettre une cale, un genre de truc un peu comme ça, entre l'embase du pied de la table et la planche elle-même. Mais si je fais ça, le problème, c'est qu'il va falloir aussi que je fasse la même cale de la même hauteur de l'autre côté pour installer cette fois ceci, le rail de fixation qui se clipse dans le rail qui est dans le fourgon. Après, il y a une autre solution qui, pour moi, va être plus simple, parce que comme je tourne le bois, c'est... pour moi, c'est plus facile. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que je sais que tout le monde ne tourne pas le bois. Donc, peut-être que la solution avec la cale sera plus efficiente pour toi. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer le rail et le pied sur la table tout de suite, comme ça, sans cale. Et je mettrai une cale, pour le coup, ici, au pied du pied, au bas du pied de la table, une cale qui va être ronde. Donc voilà, là, j'ai centré le pied de la table. Maintenant, je vais le visser dans la planche. Pour fixer le pied sur la table, j'ai quand même fait une petite cale comme ça, en bois, tout à fait sommaire, de la même dimension que l'embase là, parce que ça va me permettre de mettre des vis un peu plus grosses, parce que sinon, le souci, c'est qu'avec 1,5 cm d'épaisseur de planche, si je mets de la vis, ça va être de la toute petite, et du coup, j'ai peur que ça ne tienne pas. Alors, pour que ça tienne vraiment bien, la petite cale, je vais la coller sur la table. Voilà, alors d'ailleurs, je te recommande ça, si tu veux faire des travaux qui durent. C'est la colle d'ébénisterie Titebon. Avec ça, normalement, no problemo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer la barre glissière qui va s'agrafer dans le camping-car. Pour pouvoir insérer les vis sans les perdre à l'intérieur du truc, là, soit tu as un tournevis aimanté et c'est très bien, moi j'en ai pas. Donc tu mets un petit point de colle sur la vis là. Tu perces un petit avant-trou à la perceuse avec un mini foret, après avoir repéré évidemment les trous avec un crayon dans la barre en question. Et ensuite, ça va tout seul, enfin normalement. Voilà, maintenant que la petite cale est bien collée, on va visser le pied dessus. Voilà, je revisse la dernière agrafe. Donc ça va nous donner un petit machin comme ça. Alors comme je l'ai dit, il va falloir mettre une cale ici pour surélever un petit peu. Donc on va essayer ça. Voilà. Comme je le disais, on voit bien que c'est pas tout à fait droit. Voilà, donc au niveau encombrement, ici, pour passer à l'avant, c'est quand même plus facile. Et puis, si on veut retourner le siège, bah, c'est quand même vachement plus simple aussi. Et puis, ça fait que pour manger, bon, là, évidemment, toujours avec le truc surélevé, hein, on peut manger peinard l'un en face de l'autre. Même si on veut l'enlever carrément pendant qu'on roule, ça pose pas un gros problème. Maintenant, je vais confectionner une petite cale qui va bien pour pouvoir mettre le truc à l'horizontale.
ça prend forme, le petit truc pour surélever là, rattraper l'horizontalité. Terminé. C'est-il pas joli ça? Avec un vieux truc de récup aussi. Encore une fois, ça coûte pas cher. Hop. Voilà. C'est pas beau ça? À nettoyer. Comme il y a une sorte de vinilia dessus, là, ça se nettoie tout seul. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va pas tarder à le savoir, parce qu'en fait, le verdict va arriver lorsque madame va prendre place à sa table. Si ça ne lui plaît pas, ça veut dire que j'ai raté mon coup. En tout cas, pour ce qui concerne la manipulation de la table, c'est quand même un petit peu plus facile. Je la prends d'une main. Et ça le fait tout à fait bien. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que maintenant, je peux utiliser la petite réglette qui est ici, qui est prévue pour mettre la table théoriquement dehors, s'en servir pour pique-niquer. Voilà, si à la limite on veut manger là tous les deux, on rentre le marchepied et puis c'est réglé. Alors, temps de travail pour réaliser ce petit exercice de bricolage simplissime, une heure. À peu près entre le démontage des éléments de la table d'origine et le remontage sur la planche que j'ai trouvée. Voilà, c'est à peu près ça. Coût zéro, puisque ce ne sont que des matériels de récupération. Nous allons avoir tout de suite le verdict. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ah, c'est ma petite table! Ben c'est bien, sauf il y a un truc qui m'a pallié. C'est que pour ce siège-là, quand il va être retourné, bah c'est pas fait pour. Tu m'as dit pour manger l'un en face de l'autre. Ah d'accord. Ah oui, ben non, bah pour l'un en face de l'autre, c'est très bien. Je sens un brin de raillerie là. Est-ce que je vais pouvoir passer là? Bon, alors évidemment, il y a un mode d'emploi, c'est clair, tu vois. Voilà. Oh là là. Mais ton chat est dubitatif. J'ai perdu ma chaussure. Au moins, on peut passer, on peut se lever, oui, tout ça. Non, là, c'est bien. Bon, et de l'autre côté. Mais attends, faut que je vois si je peux rentrer mon corps. Ah, bah c'est bien. Bon, alors. Bah, très bien. Bilan. Très bien. Pour. Si on veut manger en face à face. Par contre, si on veut manger l'un à côté de l'autre, il y en a un qui va manger sur ses genoux. Non, non, c'est très bien comme ça. Bon, alors voilà, on fait tout son possible pour arriver à satisfaire. Et puis, résultat des courses, c'est de la blague, c'est de la... Voilà, c'est de la raillerie. Voilà, je le prends mal. Bon, a priori, ça plaît au chat, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que là, tu aimes bien la petite table qu'il a fait, le pépé? Tu l'aimes bien? Oh, bah oui, elle est très beau. Oui, on peut, le chat peut étendre ses pattes. Regarde, il est bien, là. Bilan de la petite table en temps réel, c'est-à-dire en condition pendant un trip. J'attends. Alors, pour les déplacements et le mouvement dans le véhicule, c'est parfait. Par contre, il ne faudrait pas être plus de deux. Bah non, mais c'est pas fait pour être plus de deux non plus. C'est un peu juste en taille. Donc, si je comprends bien, c'est encore une critique. Non. Elle est bien, ma petite table. Bon, donc, si tu veux t'exprimer sur la question, tu me diras si tu trouves que ma petite table est bien, ergonomique. Ou pas, parce que visiblement, je n'ai pas atteint les 100% de satisfaction du côté de la ménagère de plus de 50, on va dire. Bien bien tapé, oui.
Bien, les amis, je vais vous dire à bientôt sur la chaîne. Donc, nous allons nous quitter sur ces bons mots. Parce que vu qu'on se fout de ma gueule, il n'y a pas de raison. Moi aussi. Ah ! Ah ! Moi aussi, si je sais faire. Tu filmes là ? Bah oui. Ah bon ? Ah bah alors, je sais pas moi, à bientôt pour une autre aventure sur la chaîne. Oh, quelle belle conclusion. On s'en rappellera de celle-là. Au saut du lit, c'est bien. Au saut du lit à 18h.